Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie. Donc aujourd'hui, petit live, je profite d'un petit créneau météo. Ok, j'ai eu un petit problème de déconnexion. Ouais. Hop, hop, hop. Bon, il y a des jours ça marche mieux que d'autres. Donc là, le cratère qu'on voit là, hop. Donc celui-là avec le pic, c'est Tycho. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière. On va se mettre à l'échelle 1. Voilà. Alors, je vais mettre sur une image plus petite pour qu'elle soit plus dynamique. Ouais, donc le PC, il a un peu de mal à suivre. En fait, quand on... Ouais, voilà. Voilà, donc en fait, tout à l'heure, il y a eu déjà deux déconnexions, mais je comprenais pas pourquoi, puisqu'en planétaire, j'ai jamais eu le problème. Mais en planétaire, en fait, on est sur des toutes petites dalles, des toutes petites mosaïques. Et donc là, le PC, il arrive, enfin, tous les flux, ils arrivent à suivre. Mais là, sur la Lune, bah, en essayant de montrer une grosse portion, bah, forcément, avec un temps de 10 millisecondes, le PC, il n'arrive pas à suivre et du coup, bah, j'ai eu les deux déconnexions, donc j'en suis navré. Alors, je vais recentrer un peu. Allez, voilà, une petite zone sympa. Alors. Voilà, donc elle est un peu plus grande que l'image. Je vais mettre en... Voilà, donc du coup, on va travailler sur des petites dalles comme celle-là. Donc tant pis pour les satellites. Mais voilà. Donc là, la petite ombre qui vient de passer, c'est justement encore un satellite. Et depuis tout à l'heure, j'en ai vu des dizaines. Je sais pas si, donc là, la Lune, elle doit être bien placée pour voilà, là, dans une zone très fréquentée par les satellites. Je vais faire une petite acquisition. Et donc voilà, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé PIPP, Registax, AutoStacker, enfin dans l'ordre, c'est PIPP, AutoStacker et Registax. Là, pour ce live, je vais. Voilà, hier j'ai téléchargé un autre logiciel. Donc, ah, voilà, donc là il y a un satellite qui est passé, mais juste après la fin de la capture, c'est ballot. Alors, je vais juste. Donc pour information, là on est juste à 1200 mm de focale. Donc c'est ma 80ED avec juste une barre x2. Alors, si vous pouviez.
Jack déconnecté. Veuillez patienter. Nous essayons de rétablir la connexion. La connexion. Donc il n'y a pas de chat, je sais pas pourquoi. Ouvrir le chat. Ah, il y a du monde. Ok, donc bonsoir Darius. Donc si vous pouviez juste me dire si le son est bon. Oups, j'étais en majuscule, bon bah tant pis. Mais c'est bien, du coup je pourrais avoir pendant un moment. Oui, le son est bon. Ok, cool. Donc je vais essayer de temps en temps jeter un œil au chat. Alors je vais. Alors déjà, je vais me mettre avec un débit un peu plus faible. Voilà, donc là du coup je vais pouvoir agrandir l'image sur la Lune. Je me mets en pleine résolution du capteur. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma synchronisation de la Lune. Alors, elle est en biais parce que alors je pourrais tourner la caméra, mais si je tourne la caméra, l'ADC ne sera plus correctement positionné. Et du coup, bah c'est un peu ballot, puisque du coup, bah, il fera pas son boulot. Donc là, on est à peu près au centre de la Lune. Et donc, je vais faire. Alors, pareil, l'année prochaine, je vais donc jusqu'à présent, vous m'avez vu faire les lives systématiquement avec carte du ciel. Il se peut que l'année prochaine, je change de crèmerie. Donc, il y a des raisons qui faisaient que jusqu'à présent, j'utilisais pas Stellarium, mais il y a des raisons qui feront que. Il se peut que voilà, que je redevienne à nouveau, donc enfin, que j'utilise à nouveau Stellarium. Donc ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans un épisode. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent. Et si les choses vont bien comme je veux, comme j'ai entendu dire, eh ben, peut-être que j'utiliserai dorénavant plus Stellarium que Carte du Ciel. Donc, ce qui est génial avec Stellarium, c'est que il a, voilà, la partie visualisation du ciel, elle est nettement moins austère que carte du ciel. Enfin, elle est carrément plus jolie, quoi. Par contre, pour bien des aspects, carte du ciel était quand même beaucoup plus pratique jusqu'à présent. Et donc, comme ils ont sorti une nouvelle version, voilà, il y a des choses à voir. Bon, donc là, j'ai ma lune qui est à peu près centrée. Donc du coup, je vais me synchroniser avec elle. Hop. Confirme. Hop, hop, hop. Alors, juste avant de faire, le problème, c'est que j'ai des. Hop, hop. Il y a de l'humidité, donc j'ai une résistance chauffante. J'ai plein de câbles. On en reparlera, mais j'ai aussi le focuseur dans la main. Et donc le retournement du méridien, ça, bon, voilà, ça, pour l'instant, je suis pas pressé de le faire. Allez, on va juste, il y a Neptune, pas très loin. Ouais, par contre, Neptune, j'arriverai jamais à la pointer avec sans un pointage précis. Donc, ce que je vais faire, on va aller directement sur Mars. Alors, télescope, go to Mars. Pendant ce temps-là, je vais peaufiner les réglages.
Ah, je l'ai vu passer. Dans le coin, on a eu Mars qui est passé. Donc, alors, si je fais ça, est-ce qu'il va revenir? On va essayer de la chercher. Hop. Ok. Bon, donc elle est encore assez basse. Mais comme on est dessus, voilà. Parce que donc tout à l'heure j'ai fait mon alignement sur la Lune. Alors forcément un alignement sur la Lune, c'est de l'à peu près. Là avec Mars, je vais pouvoir faire un alignement un peu plus précis. Enfin, un étalonnage du Gotu un peu plus précis. Et du coup, bah, on pourra plus facilement trouver Uranus et Neptune. Ouais, donc tant qu'on est sur Mars, eh ben, on va pas s'en priver. On va regarder ce que ça donne. Bon, donc forcément, donc là on voit déjà un petit halo rouge d'un côté, bleu de l'autre. Forcément, l'ADC, il est, vu que j'ai changé de cible, il est plus réglé. Donc ça, voilà, je vais y remédier. Mais déjà, on va se concentrer sur l'essentiel, à savoir déjà une petite synchronisation. Voilà, la Lune est en train de franchir le méridien. Donc on va faire du coup un petit coup de Mars, un petit coup de Neptune. Uranus, wow, ça se tente. Donc en fait Mars, Uranus, puis après l'Alpha Pegasus pour aller choper une étoile dans le Verseau. Et après en se baladant d'étoile en étoile, on va tomber sur Neptune. Parce que si je fais pointer directement sur Neptune, comme elle est très peu sombre, et la 80E2, c'est pas vraiment un instrument lumineux. Il n'y a que 80 mm d'ouverture. Et donc le 80 mm sur 1200 mm de focale avec la Barlow, ça fait un rapport FD qui est pas terrible. Alors, donc, hop. Oh, bah pour une Mars qui est basse à l'horizon, c'est pas trop moche. Alors, déjà, première chose, on va la centrer correctement. Donc, à 1200 mm de focale, c'est beaucoup plus facile qu'à 4 mètres. Ouais, bah, 3 fois plus facile. Alors après, donc j'ai un gain qui est beaucoup trop fort. Ouais, bah c'est pas. Ah, pour un instrument Rikiki tel qu'une 80ED, sachant que j'ai pas encore réglé l'ADC. Voici la Mars qu'on a. Donc on voit déjà la calotte polaire. Bon, on voit une belle auréole bleue et une belle auréole rouge parce que l'ADC n'est pas bon. Et bah, on voit donc du relief sur Mars. Et d'ailleurs on distingue ici la calotte nord. Et le petit point blanc ici, c'est la calotte sud. Bah, forcément la caméra n'est pas dans le bon sens, mais dans le sens qui va bien pour l'ADC. Donc, alors si je le fais un peu plus par là, si je. Donc voilà. Là, le but du jeu déjà, c'est de sortir quelque chose qui est visuellement assez joli. Alors, est-ce que je peux régler un peu mieux le. Donc voilà, là, c'est déréglé. Là, c'est déréglé. Bah là, je dirais que en termes de mise au point, on n'est pas trop mal, sachant que c'est du pitfométrique.
Alors, on va pouvoir faire beaucoup mieux avec l'ADC. Enfin, j'espère. Donc, je vous abandonne quelques secondes, le temps d'aller voir. Donc là, c'est dès que je bouge. Comme j'avais dit, je suis sur une surface meuble. Donc forcément, vu que j'ai changé de place, du coup le trépied il a bougé. Et donc Mars, elle a bougé aussi. Alors je vais déjà la recentrer. Pour l'instant ça n'a pas trop de sens. Voici. Alors je vais juste faire, parce que j'ai peur que la Lune elle est complètement voilée. Donc avant qu'arrivent les nuages. Je vais au moins faire une petite acquisition. Et donc même si là l'image elle vaut ce qu'elle vaut. Je vais faire une petite capture. Alors, si je veux que ça aille vite, vu qu'on est sur quelque chose de microscopique. Voilà. Hop. Donc là, on a 240, on a un carré de 240 pixels. Et je suis à 15 millisecondes. Donc on va monter à 250. Hop, 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 hop. Là, je contrôle. Alors. Donc pour bien faire, il faudrait descendre à 10 millisecondes pour avoir une centaine d'acquisitions par seconde. Allez, 10 millisecondes, c'est un peu sombre, on va pousser un peu le gain. Voilà. J'ai 60% de l'histogramme, c'est bon, c'est un peu faible. Là, j'ai bougé un peu. Donc là, on est à 600%, 400%. Alors, vu que c'est tout petit, vu que c'est bien centré et que ça bouge pas, donc là, je suis sur un carré de 160 par 160. Donc 160, on va dire que ça fait à peu près un tiers. Donc là, elle fait 50 pixels. Comme ça, à la louche. Après, au niveau du traitement, un petit drizzle permettra d'augmenter un petit peu sa taille. Mais bon, voilà quoi. Quel que soit l'instrument, on peut faire du planétaire. Alors bien sûr, hein, avec 10 mètres de focale, ce sera que meilleur. Mais voilà. Même avec une 80 ED, donc un petit instrument qui a une petite ouverture, qui a une faible luminosité, et on arrive quand même à sortir des choses. Hein. Voilà, là on voit très bien la calotte polaire. On voit qu'il y a un petit peu de relief sur la surface. Donc voilà, c'est pour.
Allez, je lance une capture. Au moins comme ça, si jamais les nuages gâchent le spectacle, bah on aura quand même de quoi se mettre sous la dent en faisant le traitement des différentes images. Ouais, ça commence quand même à se gâter. Bon, Saturne, alors que normalement, voilà, elle est quand même très brillante dans le ciel. Aujourd'hui, je la vois même pas. Et pourtant, j'ai un point de repère qui est Jupiter. Et Jupiter, on la voit à peine. Donc, là, il a capturé 5000 images à 10 millisecondes. Donc, 100 images par seconde. Donc on va changer un peu. Voilà. J'ai doublé le temps, j'ai baissé le gain. À la rigueur. Voilà, je vais pousser un peu le contraste. Enfin le contraste. Compresser un peu l'histogramme. Là, on voit quand même un peu de détails. Alors, j'ai pas, mais je suis sûr qu'avec une Barlow x3, ça passerait sans problème. Voire peut-être x4, x5. Avec une Barlow de bonne qualité, une télévue, je pense qu'il y aurait quand même moyen de sortir des choses. Mais bon, à minima, on aura au moins Mars et la Lune, plus un peu de traitement. Eh oui, dans le sud, la météo est bien meilleure qu'ici. Que le voile nuageux, il doit être à peu près le même que chez moi. On voit la Mars qui se décale un peu. Bon, la monture, ça fait 2 semaines qu'elle est sur la terrasse. Et tout à l'heure, elle s'est pris un petit coup. Donc la mise en station a dû bouger. On a eu quelque chose qui est passé devant. La petite ombre noire. C'était juste à la fin. Je vais essayer de trouver pour voir si ça apparaît. Parce que là, pour le coup, à 100 images par seconde. Comme l'autre jour, je suis encore avec donc le logiciel que je vais tenter d'utiliser aujourd'hui, c'est AstroSurface. Je l'ai téléchargé, bah, vous voyez, hier à 21h. Je suis pas encore. Y a eu une petite coupure. Alors, toc toc toc. Bon, en fait, dès que, alors a priori, ça consomme pas mal de ressources. Donc c'est soit je fais du visuel assisté, comme là je fais en ce moment, soit je fais du traitement, mais a priori, je peux pas faire les deux.
Donc ce qu'on va faire, parce que ça, à chaque fois que je le lance, il me déconnecte. Donc hop. Bon, de toute façon, le jour où je l'aurai pris en main, je ferai un tuto. Mais c'est un logiciel qui me plaît bien, puisque bah, du coup, au lieu d'aligner trois logiciels, a priori, on peut tout faire dans le même. Alors, il y a forcément des choses qui fait mieux que d'autres logiciels et des choses qui fait beaucoup moins bien que d'autres. Parce que forcément, un logiciel qui fait tout, bah, il peut pas être bon partout. Donc je pense qu'en utilisant la combinaison de logiciels spécialisés pour faire bah, voilà, un traitement dans chaque logiciel dans lequel le logiciel est spécialisé, ça peut avoir de meilleurs résultats. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on la laisse entrer. Je vais faire une petite synchro. Là, j'ai perdu Jupiter. Donc Jupiter, enfin voilà, Jupiter et Saturne, c'est mort pour ce soir. Mais il nous reste encore Neptune et Uranus. Et à la fin, quand le ciel sera complètement bouché, voilà, je pourrai arrêter le visuel assisté. Et on pourra se concentrer sur la caméra est à 20% au niveau du contrôle de la température. Ouais, bon, on va lui enlever 10 degrés. Comme ça, plus la température de la caméra va baisser, moins j'aurai de bruit. Plus je pourrai monter au niveau du gain et plus je pourrai descendre au niveau du temps de pose. Bon, et donc là. C'est quand même assez stable, ça bouge pas trop. Pour un temps aussi pourri, elle va sortir du champ. Donc, bon. Je vais faire quelques acquisitions comme ça. Ah, là, je suis à 80 millisecondes. On est à 60% de l'histogramme à la louche. Donc ça c'est ce qu'on voit ici. Donc le trait il est à 50%. Comme le rouge il va jusque là, bah, du coup on est à peu près à 60% de l'histogramme. Ce qui est pas trop mal. Et je suis sur un gain très bas. Voilà, 100. Alors que donc, normalement, je peux moi, facilement monter à. Ouais, quand j'image, c'est entre 250. Enfin, voilà. Donc, si j'ai pas trop de bruit. Enfin, si je veux pas avoir trop de bruit, je me mets avec un gain de 200. Il va jusqu'à 450. Et donc, ça m'arrête de monter jusqu'à 300, 350 sur les cibles sombres. Bah forcément à cette vitesse-là, faut pas être pressé. Mais on a, malgré la météo toute pourrie, je vois pas une seule étoile dans le ciel. On a quand même un signe qui est pas mauvais. Bon, comme ça dérive un peu. Bon, en même temps, plus la focale est petite, et moins on voit les défauts atmosphériques et la turbulence et tout ça. Ouais, Jupiter est dans le ciel.
mais je ne la vois même plus. Alors que voilà, Jupiter, Saturne, elles sont là. Donc c'est-à-dire que ici, j'ai les nuages qui arrivent. Et la Lune, elle est complètement voilée. Donc dans pas longtemps. Dans pas longtemps, je vais finir par perdre Mars, Neptune et Uranus. Mais tant qu'on les a. Bon, puis enfin, Neptune et Uranus, ce sera deux confettis. Donc, c'est pas. Abréger ses souffrances, on va descendre à un temps beaucoup plus raisonnable. Voilà, donc là on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit. Et comme il aura peut-être un peu de mal à. Allez, on va se mettre à 12. Voilà. Là, je suis bien à 60% de l'histogramme. La capture ira beaucoup plus vite. Hop là. Donc voici l'histogramme. Voilà, on a déjà fait un tiers, 1600. Approche de la moitié, 2005, ça y est. J'ai encore une déconnexion d'OBS, je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que j'ai autant de déconnexions en un live. Juste pour info, je suis en BIN 4 avec un temps d'exposition de 3 secondes et on voit à peine les aigrettes. Et je suis sur l'étoile principale de Pégase. Ok. Je suis en train de tirer comme un bœuf sur les niveaux pour la faire sortir. Donc là, elle doit être complètement cachée derrière les nuages. BIN 4, avec le gain à fond. 400 sur 450. Ouais, mais 6 secondes, c'est juste pas possible. Je crois que j'ai perdu la caméra. On va faire une
déconnexion. Reconnexion. Je vais juste vous abandonner quelques secondes, le temps d'aller chercher un autre masque de Bassinov. Parce que celui-là, en fait, c'est pour mon à-peine. Et donc, il est pas très lumineux. Et là, vu qu'on n'a pas beaucoup de lumière, il faut quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc voilà, l'avantage de ce masque, c'est que il a des rayures très fines. Mais là, je vais passer sur un truc beaucoup plus bourrin pour avoir plus de lumière. Voilà. Donc l'avantage de l'autre, c'est qu'il avait 4 branches. Celui-là, il n'en a que 3. Mais donc en fait, avec l'autre, je peux avoir une mise au point beaucoup plus précise qu'avec celui-là. Mais il est tellement sombre qu'il faut vraiment avoir une étoile brillante, telle que Capella ou autre. Et là, Capella, elle est déjà dans le ciel. Mais elle est dans la purée. Donc là, on va dire que la mise au point est bonne. Alors, ce qui est ballot, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, exactement. Une mise au point au masque de Batinov à 3 branches. Donc là, la mise au point est faite. Et donc, je vais pouvoir pointer Mars. D'ailleurs, on verra la précision du pointage. Voilà, donc là, je vais revenir à bin 1. Donc en bin 4, la luminosité est multipliée par 16. Et l'alpha de Pegasus, avec le masque de Batinov, on la voyait à peine. Donc ça vous donne une idée de la couche nuageuse, enfin du voile nuageux qu'il y a. C'est monstrueux. Mais j'arrive quand même à sortir des choses. Alors par contre, voilà, si on ne voyait pas l'étoile Alpha de Pegasus, pour Neptune, c'est même pas la peine d'essayer, on la verra pas. Enfin, pas aujourd'hui.
Pas avec le ciel que j'ai de ce soir. D'ailleurs, ça relève du miracle qu'on arrive quand même à avoir au moins Mars. Du coup. Allez hop. Bon, ah bah oui, c'est plus joli. Vu le seeing, j'aurais dû sortir le C8. À 4 mètres de focale, aujourd'hui, il y avait moyen de sortir une photo de folie. Parce que si on a ça avec un tout petit instrument tout pourri comme ça. Mais bon. Alors donc là, oui, forcément la luminosité n'était pas bonne parce que l'histogramme était compressé. Allez, je vais faire une acquisition à 16 millisecondes, c'est bien. Un gain de 250, c'est moyen. Donc je vais prendre une zone toute petite. On va la recentrer. Ce soir, il s'est déconnecté, reconnecté. Là, entre la météo et le matériel qui s'acharne. La batterie est faible. Là, tout à l'heure, j'ai le câble, je l'avais pas vu, il s'était débranché. Au passage, le petit carré, ça représente le cadre noir qu'on a là. Donc, en fait, le carré de 160 pixels. Bon, bah, quoi qu'il en soit, j'aurai une Esprit 150 mm. Je pense qu'il y aurait moyen de sortir de belles images. Ah bah, d'ailleurs, là, regardez, la luminosité a considérablement augmenté alors que j'ai rien touché. Et tout simplement bah, parce que donc, le voile nuageux est un peu plus faible. Et donc là, j'ai la Mars qui est complètement. Donc, si vous regardez ici. L'image est, voilà, de Mars est complètement saturée. Donc ça sert à rien que je fasse des acquisitions. Et donc on va se remettre à 20 millisecondes. Voilà, 20 millisecondes c'est toujours saturé. On va se mettre à 40 millisecondes. Voilà, donc là je me mets à 40 millisecondes. Donc ouais, donc c'est normal. Voilà, donc là je suis à 10 millisecondes et l'image est bonne. Alors que voilà, tout à l'heure j'avais 60% de l'histogramme à 16 millisecondes. Et là maintenant j'ai toujours mes 60% de l'histogramme, mais juste à 10 millisecondes. Donc tout ça pour dire que bah, il y a quand même un sacré voile. Et malgré ça. L'image, elle n'est pas mauvaise. Donc j'aurai un.
L'acquisition est presque terminée. Donc j'aurai cette qualité d'image sur mon C8. Là, je pourrais sortir des choses beaucoup plus intéressantes. Mais bon, sur un C8, le miroir est mobile. Donc, même quand on fait la collimation aux petits oignons, dès qu'on bouge le pointage, bah, le miroir, bah, il bouge un peu. Et du coup, la collimation est bah, du coup un peu bah, plus tellement collimatée, quoi. Et donc, un rien suffit. Voilà. À avoir une image médiocre. Mais on a bah, voilà, 2 ou 4 mètres de focale si on veut. Donc ça rattrape un peu le coup. Mais voilà. Et puis donc l'inconvénient des télescopes, que ce soit donc Cassegrain ou Newton, c'est l'obstruction. Donc on a forcément soit enfin, le miroir secondaire devant le télescope qui bouche un peu l'entrée de la lumière. Alors que sur une lunette, on a un contraste bien meilleur parce que bah, la lentille frontale, elle n'est pas obstruée. Alors à l'occasion, si j'ai un créneau météo, je tenterai le coup de faire. Bah déjà voilà, là en termes de résolution, je suis sur une caméra couleur. Donc la résolution réelle par canal, elle est divisée par deux parce qu'on a une matrice de Bayer. Avec une caméra monochrome et une roue à filtre, du coup on peut avoir 2 fois plus de résolution. Puisque bah, tous les pixels vont capter tour à tour chacun des 3 canaux de couleur. Donc, le problème, c'est que en automne-hiver, pour avoir des créneaux météo, c'est un peu compliqué. Et on fait avec ce qu'on a. Bon, et donc pareil, j'ai une 120 achromatique. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec voilà, une ouverture alors achromatique, donc ça veut dire que du chromatisme, en veux-tu, en voilà. Mais en monochrome, avec des filtres, il y a moyen d'atténuer le problème du chromatisme. Et avec un meilleur diamètre, on aura forcément une meilleure résolution. Sur un diamètre de 120 mm, je pourrais empiler ma barlow x2 avec ma barlow de 2,25. Pareil, l'histoire de monter un petit peu en qualité. Voilà, donc là j'ai juste mis ma Barlow Omni de Celestron. Donc c'est une Barlow entrée de gamme. Donc voilà, un ADC entrée de gamme, une Barlow entrée de gamme. Bah, forcément, tout ça dégrade l'image. Alors bon, voilà, il y a quand même plus de bénéfices que de. Tout est une question de rapport entre le bénéfice et la dégradation de l'image. Et globalement, chacun des deux améliore un peu l'image. Plus qu'il ne la dégrade. Mais évidemment, donc avec un ADC PyroAstro, un Mark III et une télévue, une Barlow télévue, il y a quand même moins. Voilà, là, on pourrait directement prendre une Barlow x4. Je pense qu'il y aurait moyen de sortir une image propre. Mais alors, au niveau de la température,
Donc je suis à 35% à moins 10. Donc je vais tout doucement commencer à descendre. Là, je me mets à moins 20 degrés. Comme ça, on aura moins de grains sur l'image. Donc pour les caméras, alors certains sont tentés de voilà. On passe hop là de 20 degrés à moins 20 et tout va bien. Mais en fait la caméra, si vous faites ça, enfin les deux étages pelletier vont pas aimer. Et la caméra non plus. Donc en fait, ce qui est bien de faire, c'est de descendre par palier de 10 degrés tranquillement. Et puis pareil, quand on éteint la caméra, pareil, avant de l'éteindre, on fait donc la remontée en température dans l'autre sens. En fait, on décale la température de plus ou moins, enfin de 10 degrés ou de 15, enfin par palier de 10 ou 15 degrés. Et ça permet de prolonger la vie de la caméra. Là, je vais essayer de. Alors, 5 millisecondes, on va monter un peu le gain. Je vais la recentrer. Donc, 5 millisecondes, ça c'est pas mal. Là, on est déjà à 200 images par seconde. Les acquisitions durent pas longtemps. Et derrière, il y aura moyen de. Voilà, donc on voit quand même que l'image gigote beaucoup moins. Voilà, l'acquisition est terminée. Donc, du coup, je peux en empiler plusieurs. À peu près 20 secondes pour récupérer les 5000 images, sachant que donc là on est sur une Mars Rikiki qui fait que quelques pixels, donc du coup il y a moyen de faire des acquisitions pendant plusieurs minutes. Donc là l'image est bruitée, mais enfin voilà, le but du jeu, voilà, le Mars tourne assez lentement sur elle-même. Elle est assez petite et donc du coup on peut faire des acquisitions assez longues et donc avoir un sacré paquet d'images et donc du coup derrière éliminer complètement le bruit. Donc, voilà, si je fais 5 acquisitions à cette vitesse-là, ça fait 25 000 images. Si je garde 20%, ça fait 5 000 images. Avec 5 000 images, on a une image finale qui serait vraiment propre. Là, je vais encore faire une ou deux, et après derrière, je vais les traiter. Alors, le flux vidéo, est-ce que ça marche toujours? Ouais, je suis toujours en direct. Ok. Et l'histoire d'avoir une Mars qui remplit un peu mieux l'écran, voilà. Donc là, 10 millisecondes. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que là, je vais pouvoir. Ouais, on a encore eu quelque chose qui est passé devant. Vu la taille de Mars, donc ce qui est passé devant, hein,
La nuit, les oiseaux dorment, donc c'est pas un oiseau. Je vois pas d'avion, donc c'était pas un avion, et puis de toute façon, c'était beaucoup trop rapide. Donc c'était forcément un satellite. Ou alors, un vaisseau extraterrestre. Au passage, le satellite, ça correspond bien à cette définition-là. Des vaisseaux extraterrestres. Des vaisseaux qui sont en dehors de la Terre. Enfin, plus ou moins. S'ils sont quand même dans, voilà, dans la zone d'influence de la Terre. Et peu importe leur altitude, il y a toujours un peu d'atmosphère. On dit que l'atmosphère fait 100 km de hauteur, mais bon, au-delà des 100 km, il y a encore un peu d'atmosphère. Bah, c'est un peu comme la courbe qui est là. Je peux... Donc c'est une exponentielle décroissante. Là, on est à 100 000 images par seconde. Ah non, je suis à 20 millisecondes. Donc on est juste à 50 images par seconde. Mais par contre, il y a énormément de signal. Donc là, c'est juste l'histoire de montrer que voilà, on voit des choses sur Mars. Donc là, la petite calotte. Là, à l'opposé, il y a la calotte nord. La calotte sud. Et donc c'est à tour de rôle, ces calottes grossissent et rétrécissent en fonction de la saison sur Mars. Donc il y a 3-4 mois de ça, la calotte sud était beaucoup plus grande, beaucoup plus visible que maintenant. J'ai beau scruter le ciel, il n'y a que trois étoiles dans le ciel. Le triangle d'été, qui est là-bas dans mon dos. Et au niveau Pégase qui appelle là, on voit rien. Uranus est beaucoup plus brillante que Neptune. Donc je vais quand même tenter. Allez, on va déjà essayer une étoile. Alors, est-ce qu'elle est dans le champ de la caméra? Là, forcément. Oui, elle y est. Ok. Ça fait une espèce de comète. Il y a... Donc, je vais rajuster le pointage.
synchroniser. Donc on va passer par celle-là. Allez, télescope, on go to. Ok, il est en train de finir de pointer. Voilà, il y a quand même un peu d'erreur. Donc je vais monter le gain, diminuer le temps. Voilà, je vais pouvoir recentrer. Bon, donc voilà, la question, est-ce qu'on peut voir des étoiles à travers des nuages? Bah oui, on peut. Quand on n'en voit pas beaucoup. Donc là, on est sur une magnitude 4,3. Synchronisé. Et on va aller voir Uranus. Télescope, go to. Ouh, on a Uranus. Bingo. Une belle petite boule bleue. Alors, vous la voyez pas encore. Voilà, là, elle est cachée derrière. Alors, 160 pixels. Un zoom x8. Et ben voilà. Ça, c'est Uranus. Alors on a, donc on voit un petit peu de jaune d'un côté et un petit peu du bleu de l'autre. Donc ça, c'est évidemment l'ADC qui est pas réglé. Bah forcément, on a changé de zone dans le ciel, donc l'angle de la lunette a changé. Mais alors, et donc là, et je suis juste à 160 millisecondes. Voilà. Allez, on va se mettre à 500 millisecondes. Et en plus, j'étais... Voilà. Bon, on va la faire un peu plus dynamique. On va compresser un peu le... Ouais. On est quand même sur un gain de malade de 400. On va assombrir un peu le ciel. C'est comme ça qu'on voit le mieux. Bon, bah cette magnifique petite boule bleue, c'est Uranus. Et en cherchant bien... autour. Allez, je me mets à l'échelle 1.
Donc là, je suis à l'échelle 1 et donc on voit Uranus. Et donc je suis à 1202 focales. Avec un instrument de 80 mm, ce qui nous fait un FD de 15, ce qui doit être pas trop mauvais au niveau, ouais, donc au niveau de l'échantillonnage, je pourrais aller un peu plus loin que ça avec des pixels de 4, enfin 2,4 micromètres. Et donc quand on zoome, voilà. Donc là, cette magnifique petite boule bleue, c'est Uranus. Uranus avec un tout petit instrument vu à travers des nuages. Donc j'aurais pas eu les nuages, j'aurais pu descendre le temps d'acquisition. Et là, on aurait pu avoir bah, une forme bien bien ronde. Parce que là, à chaque fois, enfin en 500 millisecondes, la lunette bouge un peu. Enfin, la turbulence atmosphérique fait bouger l'image d'Uranus sur le capteur. Mais alors, du coup, si j'ai réussi à avoir Uranus, et bah, peut-être qu'on peut tenter Neptune. Alors, elle est beaucoup moins brillante. C'est beaucoup plus chaud. Donc juste un petit coup de météo blue, tiens, histoire de vous montrer la météo que j'ai. Ce qui montre une petite carte météo. Oui, forcément le. Voilà. Donc là, on voit le. D'ailleurs, là, en bleu, il pleut. Alors, on est. Ouh là, bah, il y a la pluie qui se rapproche. Donc voilà. Donc, si on se 22h55, 22h55. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, on voit bien qu'il y a la purée qui se rapproche. Ça a du mal à se charger, je pense que. La 4G, elle a un peu de mal. Bon, donc. Allez, on va quand même faire un petit souvenir. On va faire une petite acquisition. Ah, Uranus, elle a 80 ED. Derrière les nuages, sous un ciel où on voit pas d'étoiles. Voilà, dans le ciel, il n'y a que le triangle de l'été, donc derrière moi. Et tout le reste du ciel est complètement voilé. On ne voit pas le carré de Pégase. Capella, elle doit être déjà assez haute dans le ciel, on ne la voit même pas. La grande ours. Et la petite ours. Voilà, pas là non plus. Bon, bah voilà. Et bah soyons fous, on va tenter l'impossible. Donc on va retourner sur Mars.
Elle est sur le capteur. Donc là, on voit l'écart de taille et de luminosité. Donc voilà notre petite Mars que je vais recentrer. Et donc, comme on peut voir, le pointage est pas si mauvais que ça. Et donc, soyons fous. On va faire une escale sur cette étoile-là. Parce que si je le fais pointer directement, on n'aura aucune certitude que c'est Neptune. Alors que là, en recentrant à chaque fois, au moins on l'aura. Au centre du capteur. Voilà, 3 millisecondes. Ah. Ah. On va agrandir le carré. Donc là, vu la surface que j'affiche, voilà, on devrait avoir des étoiles, on devrait avoir des choses. Je suis quand même avec un gain monstrueux de 400. Ouais. Donc là, bah voilà. À une seconde de pause, avec un gain de malade, on n'a pas une seule étoile. Passer en bin 4. Voilà. Donc là, dans cette zone-là, il n'y a aucune étoile. Donc il doit. Alors qu'il y a forcément des étoiles. Donc la couche nuageuse doit être monstrueuse. Donc je vais quand même tenter Neptune, mais sans. Alors là, il y a un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose. Ah, il y a un autre petit quelque chose ici. Ne serait-ce pas Neptune et Triton? Donc ils sont de magnitude 6 et il n'y a rien d'autre autour. Là, je suis sur une. Ah, par contre, je suis quand même en bin 4. Bin 4, c'est énorme. Oups. Donc là, vous voyez rien. C'est caché à peu près par le trait en rouge. Enfin, si vous regardez la vidéo sur un smartphone. Là, c'est sûr que vous voyez absolument rien. Mais. Ah oui, bah oui, en bin 4. Et ben voilà, le petit truc là, c'est Neptune. Et donc si je me mets en bin 1, on verra si on arrive encore à avoir un petit quelque chose. Bah il est là. Avec juste une seconde de pause. Donc j'enlève ça. Donc voilà Neptune.
grossi numériquement par 3. Donc on est sur un temps d'exposition d'une seconde. Il a à peu près la même luminosité que Uranus tout à l'heure, qui était exposé. Oui, avec un gain plus faible, mais surtout avec un temps 2 ou 3 fois plus court. On a bien une belle couleur bleue. Donc c'est bien Neptune. Neptune et donc si on se met. Si on cherche un peu, voilà, donc je donnerais presque ma main à couper que le petit point qui est ici, qu'on verra un peu mieux en exposant à 2 secondes. Il y a quelques étoiles qui apparaissent. Donc voilà, on a une espèce de rectangle. Et si on regarde ici, alors, Thalassa, Nérède, ça c'est des lunes de Neptune. Faudrait que je zoome plus, mais pour pouvoir zoomer plus, il me faut la souris. Et la souris, elle a plus de batterie. Donc tant pis. Donc il y a fort à parier que voilà, ce qu'on voit ici, c'est les différentes lunes de Neptune et pas forcément des étoiles. Alors, pour en avoir le cœur net, ce qu'il faudrait, c'est soit faire une astrométrie, soit prendre des photos à plusieurs jours d'intervalle et du coup regarder ce qui bouge, ce qui bouge pas. Ce qui bouge pas, c'est les étoiles et ce qui bouge, c'est Neptune et ses lunes. Et là, je suis bien en binin. Donc, juste avant le pointage de Neptune, j'étais sur une zone, parce que j'étais en bin 4. Donc, 4 par 4, c'est 16 fois plus lumineux. Et l'écran était complètement noir. Donc, il y avait un nuage. Alors que là, par miracle, on est sur une zone où c'est un peu moins couvert. Alors Mars est montée beaucoup plus haut dans le ciel, puisque depuis le début de ce live, elle fait sa petite route dans le ciel. Donc on va la pointer.
Alors, je regarde s'il n'y a pas une nébuleuse planétaire dans les parages. Proche du zénith. Donc là, le petit point, c'était la boule de neige bleue. Elle est. Alors, par contre, elle est beaucoup plus grosse dans le ciel que Uranus et elle est beaucoup moins lumineuse. Mais avec un ciel découvert, c'est le genre de cible facile à avoir. Et comme son nom l'indique, bah, elle est aussi bleue. Bon, donc là, je suis sur Mars. Et donc, si je repointe Neptune. Donc voilà pourquoi je suis pas allé directement. Donc elle est là. Allez, on va retourner sur Mars. Là, comme elle est plus haute, je vais refaire une dernière acquisition. Et on va couper la partie observation visuelle pour bah, l'histoire de traiter voilà, les quelques bouts de film que j'avais fait pour voir ce que ça donne. Sachant que voilà, je l'ai téléchargé hier soir et qu'aujourd'hui j'ai pas joué avec. Voilà, je le connais pas du tout. Mais il a l'air quand même assez intuitif. Donc là. C'est un poil mieux là. Comme elle est beaucoup plus haute, il y a beaucoup moins d'atmosphère. Et donc là, l'ADC, il fait un peu mieux son job. Alors, non, c'est pas encore parfait. Par contre, vu que j'ai touché, bon, c'est pas grave. On va se remettre.
petite mise au point. Oh, là, c'est pas trop mal. Ah, c'est même, on la voit encore. Bah, forcément, on la voit mieux que tout à l'heure, puisqu'elle est plus haute dans le ciel. En fait, le meilleur moyen pour, enfin, le meilleur moment pour imager Mars, ce sera au passage du méridien, puisque c'est là où elle sera la plus haute du ciel. Donc, c'est là où on aura l'atmosphère, entre guillemets, la plus fine et la moins turbulente. Mais là, l'image, elle est sympa. Et donc là, la mise au point, elle est au pif. Puis je suis sur fast. Alors, ce qui est cool, c'est que je peux jouer la mise au, enfin, changer la mise au point pendant l'acquisition. Et donc, comme ça, bah, voilà, en changeant un peu la mise au point en cours de route de la vidéo, bah, forcément, il y aura des moments où on aura une image un peu meilleure, d'autres moments où on aura une image un peu, voilà. Puisque donc l'image est trop petite, pas assez nette pour pouvoir dire si la mise au point est parfaite ou pas. Mais en faisant voilà, des acquisitions et des changements de focalisation. En faisant donc des changements de focus en cours de route, et ben ça permet de, peut-être par moment, avoir une image mal. Et au passage, on voit quand même que la tache noire, elle a changé d'apparence, ce qui est normal puisque en 1 heure, bah, le truc, Mars, elle a tourné un peu. Enfin, 1 heure, oui, ça fait déjà 2 heures que le live a commencé. Là, je suis à, voilà, une taille de 250. On va mettre, on va relancer une capture. On va se mettre à 300%. Donc voilà, là c'est comme si je faisais un drizzle x3 dans AutoStacker. Donc voici le genre d'image que je peux au final sortir d'AutoStacker en faisant bah, pareil, un zoom numérique comme je le fais ici dans SharpCap. Donc 10 millisecondes, ça fait 100 images par seconde. Et ce qu'on peut faire, alors je suis à 57% à moins 20. Ouais, 5 degrés de plus ou de moins, ça changera rien. On va le laisser comme ça. Donc pareil, là cette caméra, elle a eu un échange standard parce que l'un des deux étages Peltier a fini par péter dans la première que j'avais. Et donc depuis, vu que donc ça a quand même pris plus d'un mois, et bah, du coup voilà, j'ai pas envie que l'étage Peltier lâche à nouveau. Donc cette fois-ci, voilà, avant je poussais facilement le refroidissement à 80%. Aujourd'hui ça je le fais plus. Je dépasse jamais les 60, 70%, 75 grand max, donc 3/4 de ses possibilités, mais jamais au-delà. Parce que il y a un risque que l'un des deux étages Peltier lâche. Et là, du coup, on ne peut plus imager. Et pendant un bon bout de temps, parce que le temps que ça parte en Chine en SAV, le temps que ça revienne, bah, ça met toujours trois plombs.
Et encore, je l'avais acheté dans une boutique française. Et donc, bah voilà, donc pendant les 2-3 premières semaines, je laissais couler. Et à partir de la troisième semaine, j'ai commencé à les harceler. Et au bout de 4 ou 5 semaines, voilà, j'ai eu droit à un échange standard parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de Chine. Donc voilà. J'aurais pu me retrouver pendant 2 mois sans caméra. Donc là aujourd'hui. Je pousse beaucoup moins le refroidissement, mais au moins je sais qu'elle va durer. Alors, pendant que ça fait l'acquisition, est-ce qu'il y a toujours du monde? Alors, je vois pas s'il y a des spectateurs ou pas. C'est 40. Donc, on voit qu'elle se balade un peu quand même. Ça, c'est voilà, la mise en station qui a bougé. Et puis sur une terrasse où le sol est meuble, on ne peut pas faire de mise au point, enfin de mise en station parfaite. Parce que pour faire une mise en station parfaite, il faut se mettre du côté du viseur polaire, et donc au pied de la monture. Et vu que je pèse plus lourd, 2 fois plus lourd que ma monture, bah forcément ça bouge. Et donc l'alignement que je fais en étant au pied de la monture est faussé. Et dès que je m'en vais, enfin dès que je m'éloigne de la monture, bah, du coup ça bouge. Donc là juste pour montrer de quoi je parle. Donc là je me lève. Voilà, là je me balade d'un pied à l'autre. Et on voit Mars qui se balade. Et pourtant je ne touche pas ni à la table, ni à la monture, ni à la lunette, je touche rien du tout. Donc juste le fait de bouger sur ma chaise suffit à faire bouger la monture. Alors, j'aurais eu une météo de folie et on n'aurait pas eu le confinement, enfin le couvre-feu. J'aurais pu aller sur une montagne pour avoir un signe encore meilleur. Faire une mise en station aux petits oignons. Et avoir une image encore meilleure que ça. Alors j'aurais pu résoudre le problème en mettant une lunette guide. Pour avoir de l'autoguidage. Et là, j'aurais eu Mars beaucoup plus stable pendant toutes les acquisitions. Et donc, du coup, un seul logiciel aurait été suffisant. Donc là, pour le coup, Astro Surface. Mais là, au niveau de, vu que donc d'une vidéo à l'autre, elle bouge un peu. On a tout intérêt à passer par PIPP qui va détecter la planète. Et du coup, voilà, aligner toutes les images directement sur la planète. Parce que sinon, au niveau des points d'alignement, ce ne sera pas terrible. Donc
Donc là, je suis en train de faire mumuse avec le focuseur. Ouais, je pense que la mise au point parfaite, elle est là. Je vais abréger, recentrer, refaire une ou deux dernières captures. Bon, la lune est dans la brume, mais on la voit quand même pas trop mal. Donc avant de faire un traitement. On est samedi, demain, voilà, personne ne dort. Enfin, demain, personne ne travaille, donc du coup, ça permet de se coucher plus tard. Donc avant de faire le traitement, j'irais bien jeter un dernier petit coup d'œil sur la lune. Un œil dans le chat. Ouais, alors l'Asie 183 MC, oui, c'est une bonne caméra pour le planétaire. Après, en ciel profond, bah voilà, voilà, elle a pas mal de lampes glow, bah oui, on est tout à fait d'accord. Et ce lampe glow, il est vraiment mauvais. Il y en a beaucoup trop à mon goût. Et le pire, c'est que voilà, même avec une. Alors, pour ceux qui ont le modèle qui est même pas refroidi, c'est même pas la peine, faut surtout pas l'acheter. Parce que là, le lamp glow, vous n'arriverez même pas à le compenser. Et avec le. Voilà, en réglant pile poil la même température, puisque donc là, bah, du coup, on peut choisir la température qu'on veut. Donc on peut refaire les darks et les bias à la température qui va bien. Et même avec ça, il y a des résidus de lamp glow qui restent. Si on tire, enfin si on n'a pas assez de signal et si on tire dessus. Et donc du coup, bah, moi personnellement, j'en suis absolument pas content. Par contre, voilà, enfin, une caméra avec des photosites microscopiques de 2,4 micromètres. Enfin, voilà, en général, pour le ciel profond, on préfère des gros pixels comme c'est ceux de la 7S. D'où l'achat de la 7S. Alors, donc, une petite question. Alors, non, c'est clairement pas le bon choix. Au ciel profond, on oublie. Surtout qu'elle est quand même pas donnée. Hein. Enfin, vu ce qu'elle coûte et vu comment elle marche, non. Faut prendre autre chose. Et d'ailleurs, bon, voilà, elle est sortie il y a déjà 2 ans de ça. Aujourd'hui, il y a des caméras bien meilleures. Alors pourquoi je l'avais achetée? Bah, tout simplement parce que voilà, c'était la seule. Qui rentrait dans un but, enfin voilà, à l'époque, il y a 1 an et demi de ça, pour un peu moins de 1000 euros, on n'avait pas autre chose. En caméra refroidie, voilà. Donc à l'époque, pour le prix qu'elle coûtait, c'était le meilleur compromis. Après, aujourd'hui, voilà, il y a d'autres options. Ou bien meilleur. Donc là, je suis 10 millisecondes. Ouais. On n'a pas trop de turbulence, donc ça va.
Alors, ouais, bah, tiens, d'ailleurs, en parlant de turbulence, donc évidemment, avant de faire le live d'aujourd'hui, j'ai fait un essai il y a quelques jours. Alors, quand je dis il y a quelques jours, donc voilà, c'est juste l'histoire de montrer ce que c'est la turbulence et comment ça joue. Donc, aujourd'hui, on est le 24, donc j'avais fait un test le 23. Donc voici la masse que j'avais il y a 3 jours de ça. Hein? Avec la même 80 ED, avec la même Barlow, enfin exactement le même montage. Donc ça, c'est voilà le Mars avec un signe tout pourri. Et avec ça, évidemment, on peut absolument rien en faire. Donc là, j'avais empilé 60 images, enfin 60% voilà. On arrive à avoir une boule, on voit qu'il y a quelque chose là, mais c'est tout. Et donc là, l'image en live aujourd'hui, bah, elle est 10 fois meilleure que la photo stackée de l'autre jour. Et donc, si on stack ça, et bah, bon, bah, vous avez vu tout à l'heure la petite photo. Alors, avec Astro Surface. Et bah d'ailleurs, je vais vous montrer donc la Jupiter. Ah, la Jupiter. Donc aujourd'hui, on pourra pas comparer. Donc voilà, Mars était à peu près plus ou moins haute dans le ciel, mais Jupiter, elle était complètement basse. Et donc là, voilà. Donc là, on voit même pas de bande, on voit rien du tout. Donc ça, c'est une Jupiter avec un signe pourri. Et pourtant, on est sur le même instrument. Donc voilà, enfin, le seeing, ça fait tout. J'aurais fait ce même live il y a bah, le 21 et pas aujourd'hui, donc il y a 3 jours. voilà. Ça aurait été avec exactement le même matériel. Ça aurait été une déception totale. Alors que là, aujourd'hui, c'est. Ok, j'ai le ciel tout voilé, je vois pas d'étoiles. Ah si, ça y est, je vois Capella là. Je vois toujours pas le carré de Pégase, alors qu'il est juste au-dessus de Mars. La Lune est complètement voilée. Et pourtant, bah, le seeing, malgré le voile nuageux, bah, le seeing est bon. Et au final, c'est lui qui fait tout. Voilà, l'air n'est pas turbulent et l'air est parfaitement calme. Et du coup, on a des images de folie. Dans les endroits, ben voilà, donc là, c'est le moment d'aller voir la Lune, puisqu'il y a un nuage qui est passé, alors juste avant. Ah, il y en a un autre qui revient. Bon, c'est ballot. Allez, je fais une dernière acquisition. Et d'ailleurs là, voilà. Si je me remets à 10 millisecondes. Ouh. Allez, je vais me mettre à 5 millisecondes, un peu plus de luminosité. Pas assez. Voilà, on va tenter une Mars à 6 millisecondes. Mais on voit quand même pas mal de pixels, de bruit. Donc quand l'air est calme, donc voilà, alors voilà, quel est le meilleur temps d'exposition et le meilleur gain? Et bah ça, tout dépend de la turbulence atmosphérique. Parce que donc là, vu que l'air est super calme, j'ai intérêt à descendre en gain, à monter en luminosité. Et là, comme l'image elle gigote pas trop, et ben voilà, j'ai peu de bruit, beaucoup de signal,
Et je suis sûr qu'il y aura une image derrière qui sera pas mal. Donc là, ainsi artificiellement, je donne un peu plus de saturation. Ça donne ça. Alors là, en fait, je joue sur l'histogramme, donc c'est pas vraiment la saturation sur laquelle je joue, puisque pour ça, il faudrait acheter la version de SharpCap en version gratuite. On peut pas le faire. Alors ça coûte 24 euros par an, donc à la prochaine saison, voilà, 24 euros, c'est pas, voilà, ça les vaut, enfin SharpCap les vaut largement. Mais bon, par principe, je préfère quand même les logiciels où on paye une fois, quitte à payer 100 balles, et avoir un logiciel à vie, plutôt que de raquer 12 ou 24 euros par an tous les ans. Alors la lune, ah bah, il y a un avion qui est passé devant et on voit la traînée de condensation en plein sur la lune. Par contre, comme il y a un peu de vent, ça se décale. Donc ça veut dire qu'il y a du vent d'altitude. Enfin, les avions volent à 10 000 mètres. Donc du coup, vu que la traînée se décale, voilà, elle a traversé la lune. Donc on a un peu de jet stream. Mais malgré tout, hop, allez, je fais la dernière acquisition, c'est promis, et on passe sur la lune. Et après, je vais faire un bout de traitement. Sachant que sur la lune, il y a moyen de voir plein de belles choses. Parce qu'il y a 1200 de focale, bon, on commence déjà à avoir un peu de détails. Le long du Terminator. Donc, Terminator pour les novices, c'est la zone de séparation entre la partie éclairée et la partie dans l'ombre. Mais bon, quand on voit ce genre d'image. Il y a un si petit instrument. Et ben on se dit quand même que voilà, la 80ED, ça reste quand même une valeur sûre. C'est une vieille Orion achetée d'occasion. Et d'ailleurs, les nouvelles Orion, de base, elles ont celle que j'ai vue. Elles ont même pas le focuseur démultiplié. Alors que voilà, autrefois c'était d'office. Donc celle que j'ai, elle est démultipliée. Donc l'ancien propriétaire l'a décoré avec un autocollant imitation carbone. Probablement pour cacher la misère. Mais du coup, voilà, au lieu d'être moche, elle est super belle. Et comme on voit ici sur cette image, c'est quand même un instrument efficace. Hein. Là, j'aurais su que on aurait Mars comme ça pendant aussi longtemps. Ça aurait carrément mérité de choisir une bonne vitesse d'acquisition et un bon gain une bonne fois pour toutes. Et de shooter pendant 2 heures le Mars. Et du coup derrière faire d'une part de la dérotation. Et deuxièmement derrière faire l'animation de la rotation de Mars en 2 heures. Donc Mars, elle a une rotation de 23 heures et quelque chose, c'est à peu près 24 heures, comme la Terre.
Donc là, en 2 heures, voilà. Elle a eu le temps de tourner 30 degrés. Donc 30 degrés de rotation, ça donne déjà une animation assez sympa. Bon, des fois que, pour après le live, je vais juste aller chercher le C8 pour qu'il commence à se mettre en température. Parce que là, avec un signe comme ça mériterait que je tente quelque chose. Mais bon, je vais juste le mettre dehors pour qu'il se mette en température dans 1 heure ou 2. Et d'ici là, on aura le temps de continuer le live. Donc voici le C8. Donc si la météo se maintient, puisque là ça sert à rien que je le mette à la place de la 80 ED, il faut refaire les clivages de la monture et ainsi de suite, débrancher bah, 10 000 câbles et ainsi de suite. Et voilà, là il n'est pas en température. Donc là, si je pointais Mars avec le C8, on aurait une image toute pourrie à cause des turbulences dues au changement de température à l'intérieur du tube. Donc là, c'est même pas la peine. Alors, je vais être obligé de faire un changement de méridien. Donc il va falloir que je surveille le matos. Parce que là sur la 80 ED, j'ai des câbles dans tous les sens. Bah, le focuseur, la résistance chauffante et tout ça. Donc je vous abandonne quelques instants pour pouvoir faire le pointage sur la Lune. Alors au passage, là elle est éclairée. Je sais pas si j'essaie de faire. Oups. Voilà ce que je craignais est arrivé. J'ai un des câbles qui est tombé dans le vide. Voilà. Là, on voit la belle 80 ED avec la lune en fond d'image. Et donc, je vais faire le pointage. Voilà, donc là je suis obligé d'éclairer pour regarder ce qui se passe. Pour limiter les risques, j'ai débranché quelques câbles pour éviter qu'ils s'en mêlent lors du changement de méridien. Donc c'est parti. Hop. Alors, commence à être un peu basse. Donc je vais juste aller brancher le focuseur.
Alors, là, normalement, tout est opérationnel. On va regarder. Donc, changement de méridien, la précision, ben voilà, de pointage. On voit ce que ça donne. Bon, et en fonction du côté du méridien où on est, bah, les touches nord, sud, est, ouest, elles ne marchent pas pareil. C'est pour ça ici, on a des petites cases à cocher, inversées AD, inversées DEC. Et donc, quand je disais qu'il y a un voile nuageux, vous voyez ces ombres qui passent devant la Lune? Bah, ça, c'est les nuages d'altitude. Voilà les ombres là qu'on voit qui se baladent. Le ciel est complètement voilé. Voilà toutes ces ombres noires qui se baladent. Et malgré ce voile nuageux, on a un signe qui est excellent. Là, Mars, tel qu'il était, ça aurait mérité que je mette l'œil à l'oculaire pour voir ce que ça donne. Trop vite. Voilà. Je vais la centrer correctement. Bon, là, elle est à peu près centrée. Jupiter est derrière les bâtiments. Alors, on a quand même Saturne qui est à 7 degrés au-dessus de l'horizon. Bah, par curiosité, j'irai bien voir ce que ça, si on arrive à la voir, un petit quelque chose. Ouais. Ah, il y a un petit quelque chose là. Si je tire sur l'histogramme. Ouais, donc si une étoile est aussi peu visible, alors que je suis quand même sur une étoile brillante,
synchroniser. Sait-on jamais? Peut-être qu'on arrivera à voir Saturne. Donc Jupiter, c'est morte, hein. Elle est beaucoup trop basse. Et un petit quelque chose. Et c'est ovale. Donc on va le centrer. Mais on a un peu. Il n'y a plus. Bon, pendant un bref instant. Voilà, donc on voit les bandes nuageuses qui se baladent. Bon, c'est dommage. Moi, je l'ai aperçu pendant une seconde. Donc le pointage était bon. Mais avec le nuage, bah, c'est mort. Et elle était microscopique parce que j'étais en BIN 3. Donc avec une Saturne 3 fois plus petite que ce qu'elle devrait être. C'est pas grave. On a quand même la Lune qui est là. Bien l'halo tout moche dû au nuage. Je vais sélectionner un petit bout. Ouais, là elle est minuscule parce que je suis en BIN 3. Et voici un petit bout de lune. Ouais, la mise au point. Bon, donc là, elle commence à être basse à l'horizon. Donc forcément, on a beaucoup plus de turbulences. Quelques cratères. Ah, on a les Alpes et la vallée alpine. Bon, tiens, c'est pas mal ça.
Ce qu'il faudrait, c'est faire la mise au point précisément, parce que là, c'est... Je dirais que là, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, histoire d'avoir une plaquette un peu, voilà. Là, c'est un peu trop grand. Ouais, voilà. Là, il y a moyen de couper après pour faire une photo carrée pour Instagram ou Facebook. Allez, on va se contenter de ça. Donc un gain assez fort. Là, vous avez vu, il y a eu un petit satellite qui est passé devant, encore un. Ça manque de rouge. Et encore un satellite. Donc il y en a un qui est passé là comme ça en biais. Que j'en aurai un quand je ferai l'acquisition. Sur la lune, on peut tirer sur les niveaux. Donc je vais mettre un temps d'exposition court, comme ça on aura une image plus stable. Et ça manque de rouge. L'image est un peu plus chaude, un peu plus équilibrée. On a un gris un peu moins froid. Oups, j'ai oublié de faire un petit truc. Donc là, je suis en suivi sidéral. Et donc, bah voilà, donc je suis calé sur la vitesse de rotation de la Terre. Mais la Lune, elle se balade dans le ciel, contrairement aux étoiles. Et donc là, elle est en train de dériver parce que je ne suis pas en suivi lunaire, mais en suivi sidéral. Alors, on va figer l'image. Hop là. Donc là, je viens de basculer en suivi lunaire. Donc là, normalement, l'image devrait plus dériver. Par contre, voilà, elle a déjà dérivé pas mal. Puis, donc, tant qu'à faire, je vais regarder la Texapon. Parce que je dois pas être loin de la fin du disque. Hop. Et ben voilà, donc 12 mégas, enfin 12 gigas, une petite acquisition comme ça. Et sur le PC, ben voilà, il reste encore 28 gigas, donc je fais encore une acquisition et c'est fini. Donc il va falloir faire des acquisitions plus courtes pour pouvoir en faire un peu plus. Et tant qu'à faire, on va changer de région. Et puis celle-là, comme elle a dérivé, ce sera pas exploitable. Bon, je verrai ça. Donc on va aller pointer. On va se balader sur le Terminator. On va faire des captures de zones plus petites.
Mais bon, là, voilà. La lune est basse dans la purée. Donc là, je sais pas si vous avez vu, il y a encore eu un satellite. Vu que ça bouffe des gigas et que j'ai plus de gigas et que j'ai pas envie de rebrancher le disque, parce que si je le rebranche j'aurai encore des coupures, soit de flux vidéo, soit ça m'est déjà arrivé de perdre la monture, donc je vais, voilà, je vais me contenter du peu qu'il y a. Donc on va faire des vignettes beaucoup plus petites. De toute façon, avec le drizzle, je pourrais toujours augmenter la taille des images après. Voilà, là, cette zone, elle est sympa. Alors, est-ce que je peux faire une mise au point un peu meilleure? Donc là, ça se dégrade. Qui est en train de passer, je vais attendre qu'il passe. Voilà, donc quand on regarde l'histogramme, ça manque un peu de vert. Là, il y a un petit quelque chose. Hop, on va capturer. Allez, allez, allez. Ah, trop tard. En plus, ça bougeait pas vite. Bon, j'ai eu quand même quelques images. Alors, j'étais à combien? 20 millisecondes. Et en plus, il avançait. Bah, la vitesse à laquelle il avançait, j'aurais dit que c'était peut-être même un satellite géostationnaire. Et du coup, le déplacement qu'on a vu, c'est parce que voilà, c'était le déplacement de la Lune et pas celui du satellite. Parce que donc, normalement, les satellites, ils filent beaucoup plus vite que ça. Enfin, pour ceux qui font le tour de la Terre. Contrairement aux géostationnaires qui, bah, eux, par rapport à la Terre, ils bougent pas. Là, ça va me prendre beaucoup trop de place. Alors, on va arrêter là. On va regarder la taille que ça fait. Ouais, ça fait déjà 5 gigas. Je vais aller chercher une autre image. Au passage, là, vous voyez donc l'image s'est assombrie alors que j'ai touché à rien. On est toujours sur 20 millisecondes avec un très fort gain de 350. Donc ça, c'est les... Voilà, Mars a perdu d'éclat. Ouais, donc le C8, il me servira pas ce soir. Ils annonçaient un ciel voilé et là il est en train de se voiler de plus en plus. La couleur qu'on est à peu près censé avoir pour la Lune.
passer, mais les nuages sont de plus en plus menaçants. Qu'à cela ne tienne, on va rajouter du temps d'exposition. On va continuer la petite balade sur la Lune. Puis, vu que je suis sur un temps assez fort, donc là, il y en a eu un autre qui est passé. Je pense qu'il y a moyen de faire une photo sympa. Voilà, encore un satellite. C'est. J'ai déjà passé des heures à observer la Lune sans jamais voir passer un seul satellite. Et là, aujourd'hui, c'est le festival. Malgré la brune, enfin la brume ou cette couverture nuageuse, on a quand même une image qui est pas. Donc là, avec une image qui gigote dans tous les sens, on a du mal à savoir où est le point de focale. Clairement, il faudrait une étoile pour faire une mise au point précise. Mais là, on voit donc des pitons au niveau des cratères. On va faire une petite acquisition. Je pense que là, avec l'acquisition que je suis en train de faire, je vais finir de remplir le disque. Ah, je l'aurais pris un peu plus large, j'aurais pu avoir toute la chaîne de cratères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais bon. Donc là, si j'en jette juste un coup d'œil sur le. Voilà, elle est à 16 degrés au-dessus de l'horizon. Donc c'est bas. C'est vraiment très bas. Avec les nuages par-dessus. Donc en général, la Lune, je la shoote à 20-25 millisecondes. Là, je suis sur 80. Là, avec une turbulence comme celle-là, millisecondes, si on augmente un peu le gain. Voilà, donc en augmentant le gain, bah, du coup, l'image est super bruitée. Je vais éviter de trop forcer dessus parce que sinon après j'aurai encore des coupures de. Ben voilà, il y a encore un satellite qui est passé par là.
pas dû toucher au gain. Comme ça, j'aurais pu faire une mosaïque. Là, pour recombiner les tuiles, ça va être plus compliqué. Dans les parages. Voilà, il y a encore un satellite qui est passé par là, et ça, avec les rémanations, je vous dirais que c'est Tycho. Bon, on va dire au revoir à la Lune. On va arrêter le flux d'acquisition. Et puis, voilà. L'idée, c'est quand même de sortir une jolie image. Et là, je pense que j'ai quand même matière à sortir des choses. Donc, j'arrête la caméra. Allez. Astrosurface. Et on va ouvrir un fichier. Allez, le dernier, je sais que c'est la Lune. Il l'a détecté, il l'a dématérialisé. Alors, tout à l'heure, j'avais fait, voilà, analyse. Au passage, j'ai pas touché à l'ADC, donc du coup, l'ADC est mal réglé. Donc, les canaux rouge, vert, bleu, enfin, rouge, vert, bleu sont mal alignés. Alors, disque planète. Surface, surface. Allez, il va faire sa petite analyse. Donc, il est en train d'analyser l'image. On voit la barre de progression en jaune. Donc ici on avait la barre. Alors, swap, graph C. Ah. Donc, et vu que l'image n'est pas spécialement super bruitée. Un peu quand même. Voilà, vu qu'on n'a que 1000 images, grosso modo, on va dire qu'on va garder ce qui rentre dans ce cadre-là. Peut-être un peu plus bas. Je sais pas ce que ça fait. Hop. Alors, multipoint global, multipoint. Alors, vu qu'elle gigote quand même pas mal, on va prendre des gros, voilà, 48 pixels, 7, voilà. Alors, tile coverage, tile size.
changer un petit nom. Moon. Moon Stacked 1. One. Donc voilà, là on peut faire donc d'office le resize drizzle, mais on va laisser à 100%. Je pourrais toujours le faire après. Ce qui est bizarre, c'est que je vois pas. Et si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Ah! Bien, 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 c'est excellent. Donc, en jouant là-dessus, je peux aller chercher des tons plus ou moins sombres. Et donc, du coup, stacker bah, plus ou moins loin sur mon image. Donc, forcément, j'ai envie d'avoir un peu de qualité dans les tons sombres. Donc, voilà. Hop, c'est parti. Ok, il a fait une première passe, il est en train de faire une deuxième. Je vous abandonne juste 10 secondes. Voilà, Laurent, si tu me regardes. Petit mouchoir. Servir parce qu'avec le froid voilà, le nez finit par couler. Alors il est en train de faire son petit stack, ça avance 80%. Pratiquement rendu à 100%. Ben voilà. Et ben, déjà, on va faire export. Ben, je pense qu'il l'a déjà exporté. Ok. Donc on va faire edit. Après, Edit, on va faire Judith. Je rigole. Alors, l'image stackée, bah, elle a l'air assez propre. Il y a un petit filet vert sur le côté, donc il faudra la cropper. Alors, ça me... Bon, ici, on avait les wavelets, donc... On verra ce qu'il propose. Alors, des itérations à la dérotation. Là, je suis allé un peu fort. Okay, on va faire dual. Ça mériterait un petit zoom pour regarder ce qu'on fait. Voilà, c'est trop violent. Voilà.
Ok, donc si jamais on force sur si on force sur les anglettes, on peut donner un peu de flou pour éliminer le bruit. Ça fait quoi? Ok, ça ressemble à du gamme, à la luminosité. Ça fait quoi? Ok. Bon, donc je me mets à l'échelle 1. Un peu trop fort, un peu moche. Voilà, là c'est plus naturel. Je préfère comme ça, donc on va faire dual. Bon, donc une fois que je l'aurai pris en main, je ferai un comparatif entre bah, ce logiciel-là. Donc en fait, cette image-là peut être très bien traitée bah, voilà, par ma méthode habituelle avec le trio gagnant ou avec bah, ce logiciel-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de décalage entre les couches. Va lui demander d'aligner les trois couches. Donc j'imagine. Bon, il n'a pas aligné grand chose, un tiers de pixel. Alors, si on lui fait sur toute l'image. Ça, non, voilà. Donc on va dire que c'est aligné. Ok. Je vais la cropper. Allez, va pour ça. Hop. Demi, ça me va bien. On va faire x2. Size. Parce que c'est trop moche. Bon, on va garder l'image comme ça. Hop, file. Save image as. On va mettre 2 pour l'image retriturée. Et donc là, où est-ce que ça l'a enregistré? Capture, aligne. Je suis sûr que sous Registax et AutoStacker, je peux faire mieux que ça. Mais bon, ben voilà, on a quand même un petit bout de lune.
Traiter avec un logiciel que je ne maîtrise pas encore. Allez, on va essayer de faire. Alors, une des Mars. On va dire qu'à la fin. Est-ce qu'on peut faire ça? L'histoire de le trouver facilement, je vais le préfixer. Et donc là, file OpenServe. Hop. Hop. Alors, déjà une image un peu plus grosse. Donc, on est sur une planète. Alors, je sais pas pourquoi il veut pas aller, on ne propose pas de l'analyser. Tout à l'heure, hop. Il a fait sa petite analyse. Grosso modo. Comme tout à l'heure, 80%. Ça, je vais resserrer un peu. Comme c'est tout petit, ben on va faire des tout petits points. Est-ce que je peux faire des plus petits encore? Non, donc je suis au minimum. Et ben c'est parti pour l'empilement. Et j'ai oublié de changer le nom. Ah, il a gardé le nom. Ok. Edit. Et bah, une Mars pas trop moche. Ouais, là il abuse un peu sur le non, puis les onglettes. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Bah c'est plus joli que tout à l'heure. Donc calotte sud, calotte nord. Dire que c'est pas trop mal. Saturation, ça manque de peps. Ah, ça c'est le color filter. La saturation, elle est là.
un peu trop fort. Rester sobre. Hop. Alors du coup, on va lui demander de redimensionner l'image. On se met à l'échelle 1. Et ben voilà. Pour une image à la 80 ED, on a les deux calottes. On a un peu de détails en surface et on voit l'atmosphère. Ben moi je dis que c'est pas trop mal. Alors il reste plus qu'à. Non, donc ça non. Cancel. Configure des codes, edit, image tool, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, on peut sûrement jouer sur la colorimétrie pour avoir quelque chose de plus naturel. Filter, ouh, il y a du monde. Géométrie. Rotate with line. C'est pas mal ça. Draw line. Ouais. Alors, donc on va choisir une ligne verticale. Et donc je vais faire une ligne qui passe à peu près par les. Ouais, c'est pas mal. Et donc là, les deux pôles sont inversés, donc on va faire. Voilà, là, on va lui faire une rotation de 180 degrés. Bon, c'est pas grave, je vais l'enregistrer tel quel et je vais faire une rotation mirror. Alors, et si je lui fais ça, ouais, bah c'est pas mal. On a le pôle sud au sud, ok. Et il reste plus qu'à cropper. Hop. Ok. File. Slice. Donc,
Ouais. Peut mieux faire. Bon, donc je pourrais la bidouiller dans la Lightroom, donner un peu plus de. Me gêne un peu, c'est la couleur verte sur les bords. Elle est censée être bleue. C'est pas censé être vert là, c'est censé être bleu. Mais bon. Ouais, avec un peu de vibrance dans le Lightroom, on aurait pu avoir un peu plus de contraste. Là, la colorimétrie me plaît un peu plus, mais on perd. On perd en contraste. Ouais, c'est pas vraiment mieux. Hop, original. Là, c'est un peu plus sobre. Ici cette troisième version. Bon, pour pas que ce soit trop moche, je la laisse comme ça. Donc voilà une Mars à la 80 ED, et vu l'heure, je pense qu'on va en rester là. Alors juste l'histoire de, on va faire le. Et un petit bout de lune. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde? Là, vous êtes encore. Il y a encore un peu de monde. Mais bon, on va raisonnablement voilà, se quitter sur ces deux images-là. Donc voilà, bah j'espère que ce petit live vous a plu. Donc là, à ma gauche, j'ai une Mars faite à la 80 ED. Donc voilà, il y a des fois où j'ai même pas ça, ou C8, qui est quand même bah voilà, 200 mm, c'est pas 80 mm hein, de diamètre. Mais là, on a eu la chance d'avoir, malgré le voile nuageux, un seeing pas trop mauvais. Et donc, du coup, ça a fait une Mars, je trouve, plutôt épatante pour un si petit instrument. Donc voilà. Alors, après, on peut encore la photoshopper hein, pour donner hein, plus de contraste, plus de luminosité, plus de tout ce qu'on veut. Enfin, plus de couleurs et plus de contraste. Mais bon, voilà, pour un premier essai, voilà, ça, je referai le traitement lors d'un épisode. Et donc,
voilà ma petite 80 ED. Voilà, donc il y a eu déjà une première vidéo sur le Stargate. Il n'y a pas encore eu de playlist sur le C8, mais il en aura un aussi. Et donc voilà, comme ça, chaque instrument aura sa petite playlist. Et du coup, bah, au fur et à mesure des acquisitions, ce sera l'occasion de montrer bah, qu'est-ce qu'on peut tirer avec chaque instrument. Et donc là, et bah, si quelqu'un arrive à faire mieux avec une 80 ED, alors bien sûr c'est possible, puisque aujourd'hui les conditions n'étaient pas optimales. Je ne suis pas sur une montagne à 2, 3 ou 3 800 mètres, genre Saint-Véran. Donc là-bas, on peut avoir un signing encore meilleur que ce que j'ai eu ce soir ici. Mais bon, voilà. C'est pas un RC500 de Saint-Véran. C'est une petite 80 ED sur une terrasse dans l'agglomération lyonnaise. Donc là, vu ce que j'ai réussi à en sortir de ce soir, sachant que ça fait, bah, hormis le petit coup d'essai que j'ai fait il y a 3 jours, et où le seeing était catastrophique, où on pouvait absolument rien faire, ça fait bien un an que j'ai pas fait mumuse avec ma 80 ED, voire plus que ça. Donc pour une première sortie de ma Lulu préférée, et bah, je suis content du résultat. Et donc sur ce, bah, voilà, si vous n'avez pas encore liké ce live, voilà, likez-le. C'est quand même pas mal ce que j'ai réussi à sortir d'une 80 ED. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Donc normalement, le prochain épisode qui est programmé, c'est enfin le premier épisode d'introduction à la playlist dédiée à la Lune. Donc du coup, avec les acquisitions que j'ai fait ce soir, il y a moyen de rajouter un deuxième épisode. Mais en fait, j'ai un disque dur plein de vidéos à traiter. Donc sur la Lune, je peux faire des vidéos par dizaines, à toutes sortes de focales, donc du 18 mm jusqu'à, bah, aujourd'hui j'ai des photos à 2 mètres de focale pour l'instant. Donc avec le C8, voilà, il y a moyen de monter à 4 mètres, voire avec un autre instrument je peux encore monter au-delà. Donc voilà, sur la Lune, bon, il y a les petites photos comme celle-là, il y a moyen de faire des mosaïques lunaires. Enfin voilà, sur la Lune, il y a des dizaines de thèmes en rapport avec l'astrophoto. Donc c'est une playlist un peu bouche-trou, mais où je peux sortir des épisodes par dizaines. C'est juste une question de temps. Et puis bah, évidemment, pour éviter de faire toujours la même chose, bah, du coup, voilà. En fonction de la focale et en fonction des phases. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire plein de choses en rapport avec la Lune. Même des photos de paysages avec de la Lune. Il y a des choses sympas à faire, des time-lapse. Enfin voilà. C'est un sujet infini, comme l'univers. Donc, sur ces paroles, je vous dis bonne soirée, à plus, à bientôt. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode, bah, le premier épisode sur la Lune. Et puis, la semaine d'après, il y aura un vlog spécial, un an. Donc, comme le lundi prochain tombe le 2 novembre, et que le 2 novembre était sortie ma toute première vidéo sur la chaîne, bah, j'essaierai de faire un petit vlog spécial un an. Donc, sur ce, ciao!